Bonjour, alors moi je voulais vous parler de mon amie Gabrielle que j'ai rencontrée il y a certes très peu de temps, mais qui m'a apporté tellement. C'est une femme chaleureuse, rayonnante, et avec qui on découvre beaucoup de choses, qui est sincère, qui amène beaucoup de joie, de, comment dire, de tendresse, de compréhension. C'est quelqu'un avec qui, moi, le temps est merveilleux. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée, mais depuis, honnêtement, mais très, 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 très longtemps. Ça fait très longtemps que j'avais pas rencontré une belle personne comme ça. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est tellement rare. Et je trouve dommage de passer à côté de ces belles choses, de ces belles rencontres. De ces belles rencontres. C'est des choses qui sont incroyables. Même moi, j'en reviens pas, en fait. C'est merveilleux. Et moi, depuis, honnêtement, j'ai mon enfant, il a 17 ans, Léo. Et depuis mon enfant, j'ai rien eu d'aussi beau, en fait. J'ai même du mal à réaliser que ce soit réel, tellement, tellement c'est magnifique, quoi. Et je voulais aussi également vous dire, les enfants, que vous avez une maman merveilleuse. J'aurais tellement aimé avoir une maman comme ça. Mais tellement, 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 tellement. C'est une chance inouïe. Inouïe, inouïe, inouïe. Alors, ne ratez pas tout ça. Il n'est jamais trop tard. On a tous des choses compliquées dans la vie. Mais ça porte. Après, on a du bon. Il faut juste savoir où aller. Et puis, se faire confiance aussi. Et croire en de jolies choses. Et votre maman, elle est magnifique. Intérieurement, extérieurement. C'est un rayon de soleil, voilà. Moi, je la vois comme ça. Un beau rayon de soleil. Là, je dois m'en aller. Honnêtement, elle va me manquer physiquement. On gardera contact, bien entendu. Mais c'est chouette et il faut vraiment faire chacun notre petit bout de chemin. Et puis, surtout, n'oubliez pas que votre maman vous aime et qu'elle sera toujours là pour vous et qu'il n'est jamais trop tard pour créer du lien. En recréer de nouveau et profiter de la vie qui arrive, de la vie future qui arrive.